les amis, vous allez bien? Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va dessiner une main qui tient un papillon. Mais bon, on peut dire qu'elle tient un papillon ou on peut dire un papillon dessus. Alors, c'est parti. Ah, mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, s'abonner. Et donc, c'est parti. Et donc, c'est parti les amis. Donc, on va commencer par faire la main. Ici, on va faire un doigt. Ça, c'est un ongle parce que ce sera une fille. Ici, on va faire l'autre partie. Comme ça. Ici, on va faire le reste des doigts. Donc là, on va faire l'index. Le majeur. Encore un autre doigt. Et le petit doigt. Un peu ajusté ça. Voilà, maintenant on va passer au papillon. Voilà. On va faire le corps. On va faire ici des petits trucs comme ça. Car tous les papillons, ben, sont comme ça. On va faire un joli papillon. Donc maintenant, on va faire les ailes. Voilà, un aile ici. Un autre là. Agrandir. Voilà, comme ça. On va faire quelques petits détails au papillon. Donc, bah vous pouvez le détailler comme vous voulez. Voilà, on fait des petits ovales comme ça. Voilà. Et là, je vais ajouter quelques petits traits. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au coloriage. Mais avant de le colorier, on va faire d'abord du stylo noir, le repasser dessus. Voilà les amis, maintenant je vais la colorier. Donc voilà les parties que vous allez colorier en rouge, en rouge et en rose. Voici les parties en bleu et en jaune. Donc ici, on va ajouter un peu d'ombre à la main. Donc c'est parti. Donc vous faites ici de foncé à clair. Donc vous appuyez, comme ça. Donc je vais comme ça. Vous appuyez, puis vous essayez de faire comme ceci. Donc je vais vous la montrer dans une autre place. Vous faites comme ça, de foncé à clair. Comme ça. Donc voilà le dessin entièrement colorié. Donc maintenant, je vais vous montrer les parties du dessin comme d'habitude. J'ai bien sûr fait mon prénom et la signature. Et voilà les couleurs que j'ai utilisées. Donc le bleu, le rouge, le rose, le jaune, le noir, le stylo noir. Donc bien sûr, pour le papillon, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. La même chose pour l'ongle. Et voici le dessin. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker et de vous abonner à la chaîne. Et au revoir!